La faute était de Thiaou sur Trevor Mputu. Et là, c'est le joueur douanais que nous voyons sur nos images. Les Congolais qui tentent de s'organiser. Trevor Mputu, une fois, qui a été stoppé. C'est la relance sud-africaine avec le numéro 15, Zuma. Zuma et beau dégagement de Ntumbu qui relance vers l'attaque. On retrouve Chabani Nonda. Qu'est-ce que ça va nous donner cette action? Entre les mains du gardien Vonk, mais malheureusement, il y a eu faute sur les gardiens. Faute sur les gardiens, Kabamba Moussassa. Qui est tout flamme aujourd'hui, Kabamba Moussassa, qui va tenter en tout cas de trouer une fois de plus les filets sud-africains. Les Sud-Africains qui sont ex aequo au classement avec la République démocratique du Congo deuxième avec 15 points. La RDC, c'est une majorité congolaise qui se retrouve au stade à Durban. Là, c'est une amorce d'attaque sud-africaine. Qu'est-ce que ça va nous donner? C'est Pinard qui mène la balle, la danse. Voilà, et là, l'attaquant sud-africain est aux prises avec Thiaou qui était aux prises avec Ntumbu. Et ça sera une faute ou une remise en touche, on va voir ça sur ces images. Ça sera une faute sur le joueur Kasongo de la République démocratique du Congo. Kasongo qui évolue comme Trevor Mputu dans l'équipe du tout puissant Mazembe de Lubumbashi Anglébert. Les Sud-Africains qui ont toujours la balle. Un centre du numéro 10 qui atterrit sous Pascal Kalema. C'est un dégagement. Et heureusement, on peut dire pour la République démocratique du Congo. Heureusement pour la RDC, car Pinard a failli ouvrir le score sur cette rencontre, c'est le but sud-africain. C'est le but sud-africain par Zuma. Zuma qui vient d'ouvrir la marque à la sixième minute. La République sud-africaine qui mène face à la République démocratique du Congo 1-0. La défense congolaise qui apparemment a craqué sur cette action. 1-0 en faveur de la République sud-africaine. But marqué par le joueur Zuma qui évolue du côté de l'Allemagne. Et vous voyez la joie des publics sud-africains, du public sud-africain dans les grandes du stade. Zuma qu'on aperçoit sur ces images. Zuma qui vient de tromper Pascal Kalemba. On va revoir la scène au ralenti, il y a eu un centre. Ah, Zuma qui a été plus rapide que les défenseurs congolais. Voilà, c'est les premiers buts sud-africains. Et à l'instant même, on peut vous rassurer, amis téléspectateurs, que c'est la République sud-africaine qui se qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations, la joie des Sœurs Baxter. C'est un Baxter qui se réjouit. Voilà, c'est le but qui manquait aux Sud-Africains. Et bien, jusque-là, les Sud-Africains peuvent dire qu'ils se sont vengés face au Lion congolais. La partie se poursuit. Zuma encore une fois de plus aux prises avec Ntumbu. Zuma qui joue du côté. Là, c'est Milambo qui stoppe net cette offensive sud-africaine en train de relancer le jeu. Milambo, voilà la balle qui rentre dans la défense congolaise. Un peu de concentration, les garçons, et vous allez réussir. Ouais. Kasongo qui joue avec Sadam Ilongo. Kasongo relance sur Trevor Mputu, mais Trevor Mputu qui est trop bien gardé dans cette partie. Trevor Mputu qui est surveillé de près, puisque vous savez, c'est les garçons qui a créé l'exploit. Le mois passé, ici à Kinshasa, lors de la 9e journée, et là, la République démocratique du Congo jouait contre l'équipe du Cap-Vert. Victoire des Congolais, 2-1. Deuxième but de la victoire, c'était celui de Trevor Mputu. Centre congolais, qu'est-ce que ça va nous donner? Et c'est le but! C'est l'égalisation de Kabamba Moussassa! C'est l'égalisation de Trevor Mputu! Trevor Mputu qui égalise à la 11e minute de la partie. Franck Yata, tu peux te réjouir! La RDC qui vient d'égaliser, Trevor Mputu sur une tête ici au fond, le gardien Vance. Le gardien Vance qui vient d'être surpris. Je parlais tout à l'heure de ce garçon, Trevor Mputu, le soufflet de tout puissant match, Zembe de Lubumbashi. Trevor Mputu qui surprend le grand gardien Vance. Oh Georges, une pote et réjouis-toi s'il te plaît, Georges. La RDC vient d'égaliser sur ce centre. De vent et de Ntumbu qui atterrit sur la tête de Trevor Mputu titularisé par Claude Leroy. C'est l'exploit dans les rues de Kinshasa, dans les studios de la RCGA, on s'est réjouis en tout cas dans les tribunes. On voit même Pierce Mabilou, le PDG de la RCGA, se réjouir. Pierce Mabilou qui est dans les gradins du stade, dans la tribune d'honneur. Pierce Mabilou qui jubile en ce moment. Et on voit aussi dans son bureau climatisé Serge Moulumba. Gilbert Moutamba fait régir en tout cas
la RDC vient d'élite de cette première période par Poutou Trésor qui a pu surprendre la grande taille, la grande carrure de ces gardiens sud-africains, de ces portiers sud-africains. On est à une minute de la fin de cette première période. Chabani Nonda qui s'appuie sur Trésor Poutou, qui crochette, Trésor Poutou qui de la surface de réparation. Il saute sur Nonda, Nonda qui marque, Nonda qui marque, Nonda Chabani. Nonda Chabani, d'un geste technique extraordinaire. Nonda Chabani est d'un geste extraordinaire. Sur cette action individuelle de Trésor Poutou, Nonda Chabani qui marque, c'est la classe du buteur. Jacques Malanda reconnaît que c'est la classe du buteur. En tout cas, dans tous les studios de la RTGA, on crie. En tout cas, Christian Mouzola du côté des pigeons, Prémis Mouzola, on peut crier, Chabani Nonda vient d'ouvrir, de porter le score à 2-1. Chabani Nonda vient d'ouvrir, de porter le score à 2-1. Je perds mon vocabulaire, Patrick là. Je perds mon vocabulaire. La République démocratique du Congo qui mène 2-1 face à la République sud-africaine et ce. D'autres résultats, c'est le Togo qui vient de faire le nul face au Congo Brazzaville, un but partout. Là, c'est une frappe congolaise qui passe à côté. Chabani Nonda, décidé à marquer dans cette partie. Décidé, période. En jeu sud-africain et un congolais. Les sud-africains qui tentent d'égaliser. Et là, c'est une action profitable de Nombeti qui passe à Zuma. Dans la surface de vérité de Simba. Zuma qui frappe. Et c'est l'égalisation. Simba, République sud-africaine, 2-1. Zuma vient de réussir à battre pour la deuxième fois Pascal Kalemba. C'est l'égalité entre les deux équipes. C'est l'égalité entre les deux équipes. C'est le Burkina Faso, excusez-moi, vient de tenir en échec l'équipe nationale d'Ouganda. 1-1. Alors ici même, la République sud-africaine vient d'égaliser face